Salut, Station Fréquence. Alors, on est vendredi 22 juin, il est 21h, c'est reparti pour le QSO du canal 27. Les 27 restent à côté à vous tous de la part de Dandy 33. Alors, est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Ouais, alors en plus j'ai commencé par dire 22 juin, n'importe quoi, 22 janvier. Voilà, ok, ben là on commence pile poil. Hein. Si le week-end dernier, sur tout le week-end dernier, les stations étaient en avance, eh ben les week-ends se suivent et se ressemblent pas. Donc le temps qu'ils arrivent, et puis voilà quoi. Bon alors, as-tu fait quelques bons contacts cette semaine? Tu vois, je viens juste de reprendre le camion. J'étais en repos cette semaine, donc du coup j'en ai profité pour ranger la chambre qui va me servir pour la chambre du bébé, ranger le bureau, ranger le garage, voilà. J'ai été juste à Périgueux à aller me chercher un billard. Enfin, je me suis trompé de route, j'étais jusqu'à Brive, enfin bref. RM. Hey, même quand tu parles, tu fais court. Hachi. Alors, de mon côté, avant-hier, j'ai entendu très furtivement un appel du Québec, là, sur le 12 sup, le 27-555. Et du coup, hier, je me suis tenu prêt. Et 14h45, dans ces environs-là, paf, j'ai commencé à lancer des appels. Et ils étaient tous là. Quoi. Et pour dire à quel point ça passait, ici, au QRA, il m'arrivait à Santiago 8. Hein. Ok. Mais moi, écoute, j'ai essayé là, un petit peu là, sur le 35 sup, pareil. J'ai entendu une station, j'ai essayé de lancer des appels et tout ça. Alors, je connais pas le nom de la station, c'est pas la première fois que j'entends. J'essaie de la contacter à chaque fois et tout ça, rien du tout. Pourtant, je fais des breaks, je lui demande comment ça va et tout ça. J'entends qu'il parle avec une autre station, c'est vraiment petit à chaque fois, mais. Non, pas du tout, je monte jamais si haut. Hein. Non, pas du tout, aucune idée. Quoi. Attends, je crois qu'il y a eu un break, là t'as repris trop vite, il m'a semblé entendre un break. Oui, le break, hein, les 213-51 de la part de d'Andy 33 en compagnie de Chameau. 13-51 à tous, les amitiés, 14-27, l'opérateur Eric. Ok, j'espère que je ne module personne. Ok, c'est bon, les 213-51 Eric. Voilà, tu as Chameau qui est grimpé sur les hauteurs et il est en compagnie, de Chouchou. Et voilà, retourne le micro sur Chameau pour voir si tu arrives à l'entendre, Eric. Ok, 14-07, opérateur Florent du Sud-Est de France. 73 Eric, je sais pas si tu nous entends là, de ton côté, nous on est monté sur les hauteurs justement pour pouvoir t'entendre. Voilà, je suis en compagnie d'un pote là qui a essayé de faire de la CB il y a pas longtemps, mais qui n'a pas continué, voilà, mais que ça intéresse quand même. Voilà, donc de temps en temps, mais il y a moi et puis voilà quoi. Voilà, donc je sais pas si tu m'entends Eric, à toi. Ok, j'avais ces chameaux, mais je t'entends, mais vraiment, c'est pas très fort, hein, voilà. Donc, je salue le prof.
présentation qui est avec toi aussi, j'espère que tu vas bien. Voilà, et puis, si tu ne peux pas mettre un petit peu plus de watts, eh bien on fera avec, voilà. Hein. Donc, j'arrive à t'entendre, mais c'est limite, toi. Ok, ok, mais je te remercie pour les 73, là. Je suis pas riche en watts, je suis pas riche. Je sais pas si, putain, je ferai pas quelque chose pour ça, parce que c'est vrai que plusieurs fois tu me le dis, et faudra que je fasse quelque chose, mais bon, plus tard, quoi. Plus tard, voilà. À commencer par changer mon le truc de mon antenne, que je puisse le rendre à Rémi, voilà, qui m'a prêté son truc d'antenne, mais qui a eu la gentillesse de me prêter le truc de son antenne, mais que j'ai toujours pas rendu, le pauvre. Voilà. D'ailleurs, merci, Rémi. Ouais, non, mais il n'y a pas de problème. Moi, mon inquiétude, c'est que, vu que, comme je t'ai montré en dessous, il y a une fissure, c'est que de l'aluminium, quoi. Mon inquiétude, c'est que ça risque de casser à un moment donné, quoi. C'est que tu te retrouves l'antenne par terre, c'est plus ça, mon inquiétude. Je peux dire, pour l'instant, c'est très très solide, tu vois, pour l'instant, ça bouge pas la tête, et pourtant, c'est souvent que j'y regarde, quand même, parce que moi, ce qui m'embêterait le plus, c'est que ça casse dans mes mains. Ça m'embêterait, surtout que c'est pas à moi, donc, et c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est souvent quand tu en pointes des affaires que ça te casse dans les mains. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'en pointe une meuleuse, voilà, la meuleuse, je venais juste de la prendre, et je fais quoi, deux pètes de ponçage, avec, et bim, elle casse. Ah, mais j'ai dit, mais voilà, c'est sympa, quoi. Obligé de répéter, obligé de repérer une meuleuse qui n'était pas à moi, voilà. Mais, enfin, tout ça pour dire que, à chaque fois, ça t'arrive sur un coin du nez, quoi. Hey, je suis en même temps, là, je mets les infos là, sur le forum et le groupe, et je suis en train de découvrir que là, sur le 33, on a quelqu'un, NOM, dont ce QRZ, c'est Kangourou 33. Alors, je sais pas, je n'ai encore jamais entendu. Hein. Donc, si des fois il nous écoute derrière, il est le bienvenu dans le QSO, il n'y a aucun problème. Voilà, retour de micro du côté d'Eric, je laisse un petit blanc en même temps pour voir. Oui, il y a une station derrière avec une chambre d'écho, j'ai entendu, les bandes 73-51 à la station, j'ai pas eu le temps de clarifier là de mon côté. Hein. Les bandes 71, la station de la part de Dandy 33, 14 ODR 002, en compagnie de Chameau, 14 ODR 007, et Eric sur Bordeaux Sud, 14 Victor Eco 27. Retourne la station, là, qu'on puisse un peu là, te clarifier. Ok, voilà, je me suis calé sur vous, Christian, il n'y a pas de problème. Les bottes 73-51 et content de vous compter parmi vous dans le QSO. Retour sur Eric, moi j'arrive à le sortir, il n'y a pas de problème. Chameau, je sais pas, peut-être, mais c'est pas sûr que Christian arrive à t'entendre, Chameau. Oui, retour sur Eric, toi tu dois l'entendre. Tu dois l'entendre correctement. Et je dis n'importe quoi ce soir. Oui, apparemment, Eric, attends, je reviens sur la fréquence. Eric, t'arrives pas à le sortir ? Si, j'arrive à le sortir, mais le problème c'est qu'il est vachement décalé et après je suis obligé sans arrêt changer, quoi. Ouais, bah oui, c'est ce que j'ai fait aussi, là. Au premier passage, j'ai pas réussi à le sortir comme il faut, car je l'ai fait de surprise. Là, ce coup-ci, je suis monté à plus 40 Hertz au-dessus, ouais. Apparemment, je crois qu'il va faire un petit réglage. Ah ouais, il va changer de poste. Ah, mais c'est que tu l'as bien entendu, Chameau. Ok. Bien, c'est pareil, c'était à temps décalé, donc je me suis décalé aussi, pareil, pour pouvoir vous entendre, mais après,
après c'est un peu loin quoi, c'est un peu loin aussi, de mon côté. Ok, bah ça fait une nouvelle, en tout cas, ça fait une nouvelle station de plus parmi nous. Le dernier coup, c'est Serge, je sais plus. Nord-Gironde, ensuite, test mémoire de poisson rouge. Il y avait une station du extrême Nord-Gironde. Je sais que ce soir, il sera pas parmi nous, là, il est pris par autre chose, mais certainement demain soir. Donc, demain soir, on se... voilà. Qu'est-ce que je sais d'autre? Daniel Senteur. Bon, normalement, il devrait m'envoyer un SMS pour me dire si oui ou non il sera parmi nous. Bon, on verra bien. Alors, s'il y a d'autres stations, allez-y, Fabrice, je sais pas, allez-y, en avant. Voilà là. J'ai rien entendu. Ça m'a sifflé dans les oreilles, c'est tout ce que j'ai entendu quoi. De retour à la station si vous êtes encore là. Ouais, la station, là vous êtes monté beaucoup trop haut là, en fréquence là. Ouais, là quand j'ai commencé à vous entendre correctement, j'étais pratiquement sur 275.70 dans ces eaux-là, quoi. Alors là, vous avez tourné à fond de l'autre côté. Là, c'est carrément parti en dessous. J'ai même pas eu le temps de vous récupérer. Ça devait tourner autour des 27.274 dans ces eaux-là, quoi. Je sais plus là. D'accord, je sais pas si c'est pas la station de tout à l'heure qui a un problème avec son poste là, du coup. Parce qu'il a dit qu'il changeait de poste, mais je sais pas s'il a pas un problème de poste. Hein. Si, c'est lui, c'est le même, il n'y a pas de souci, hein. Au contraire, si on peut l'aider en même temps, c'est génial. Ah oui, très bien, c'est bon. Oui, le break, enregistrer le break, les 2113-51, le break, de la part de Dandy 33, secteur Saint-Émilion-Castillon-la-Bataille, de la part de Chameau, qui est sur les hauteurs limites, département 24, et aussi Eric, 14 Victorico 27, qui lui est au sud de Bordeaux. En avant le break pour l'ensemble du groupe, il y a d'autres stations qui doivent arriver également dans le QSO. Allez-y, rentrez, à vous le micro. Alors, ok Christian, de retour donc. Ce coup-ci, au niveau calage en fréquence, ça va beaucoup mieux. Par contre, au niveau puissance, tu es complètement dans les choux. Là, je suis même pas sûr. Je crois que c'est le QRM qui doit me faire monter le Santiago, hein, Santiago 2. Hachi, c'est tout. Tout à l'heure, tu passais beaucoup plus fort, Christian. Fabrice, je sais pas où tu es. Attends, excuse-moi Christian. Fabrice, tu es complètement parti là au niveau fréquence. Tu es en train de nous faire une farce là. Ok. Oui Christian, je sais pas ce qui s'est passé là. Tout à l'heure, ça passait quand même relativement bien. Et là, c'est comme si vous aviez coupé, tu avais coupé l'alpha libin là. Et ça passe plus du tout là de notre côté ou à peine. Je suis obligé de monter le volume presque. Enfin, pratiquement à la moitié pour arriver à te sortir. Ah, y a plus de jeu. Ouais, mais là, je suis monté aux deux tiers, je ne sors plus du tout, là. À moins qu'il ne prenne plus le micro, je sais pas. Il doit être en train de regarder comment régler le problème. Fabrice, est-ce que c'est toi que j'ai entendu, là? Non, c'est Eric. Non, excuse, complètement en décalage.
Fabrice, Dandy. Je pense pas que ce soit Fabrice. Hein. Bon, d'accord. Bon, ben, la station qui était complètement en décalage, je sais pas qui c'est, mais bon, un petit break, ce sera assez sympa quand même pour pouvoir rentrer dans le QSO. Hein. Alors, attends, j'entends quelqu'un là. C'est vrai. J'entends du monde derrière, mais c'est vraiment petit, je peux même pas. Ouais, mais t'es avantagé, la chameau, t'es sur une colline. Nous, là, on est en bas, quoi. Donc forcément, t'attrapes tout le monde. Hein. Là, tu deviens la tour de contrôle du canal 27. Hein. Ouf, tu parles de ça, c'est André là sur le Québec. Ouais, aïe, j'ai vu une de ses vidéos. Au secours. Ah, il a de quoi faire fondre des antennes lui. Hein. Ouais, aïe. Ah, ben ouais, tu m'attends là. J'ai vu la petite vidéo avec le Québec. Oui, putain, génial. Avant-hier, j'ai entendu un appel sur le 27-555, juste un seul appel. Hein. Quand j'ai vu ça, je suis vite monté sur le 18, 27-625. Bon, ben, il n'y a rien eu. Par contre, hier, je me suis tenu prêt. J'étais devant la station, j'ai entendu un petit peu le créneau horaire, voir comment ça montait. En plus de ça, je sais plus, il devait être 13h30 ou je sais plus dans ces eaux-là, ou 13h. Enfin bon, bref, dans ces environs-là, Gilles, qui était tombé du lit, a un petit besoin pressant. Hachis. Ben, il a dû embarquer certainement son téléphone avec lui parce qu'il m'a aussitôt répondu. Et justement, je lui ai signalé qu'il y a des stations étrangères justement qui appelaient en direction du Québec. Et lui aussi s'est tenu prêt de son côté. Et bingo, ça a marché, ça a passé du tonnerre. Puisque là, ce secteur m'arrivait à Santiago 8, moi, ici, au QRA. Ouais, affirmatif. Je sais qu'il avait des fonds, j'ai vu la vidéo. Ouais. Et tu dois, c'était son anniversaire. Hein. Oh, j'ai oublié. Sur Internet, oui. Zut, j'ai oublié de le choper en fréquence. Ah, zut. Bon, ben, c'est pas grave. C'est vrai. Oui, sur Facebook, je lui ai fait une carte. Mais en fréquence, j'aurais dû lui faire une petite blague. Ah, zut. Eh bien, tant pis, c'est pas grave. Ouais, je l'ai souhaité. Ouais, ça passe un petit peu. Mais ça passe pas longtemps, pour pas. Hier, la propague a fait des vagues. Hein. C'est vrai que après, vers les, je sais plus, 16 heures, non, ouais, vers les 16 heures, dans ces eaux-là, elle a baissé pour revenir après. Hein. Ouais. Mais là, je sais plus si c'est hier ou avant-hier. C'est hier ou avant-hier, ouais, que je l'ai vu. Ben, avant-hier, j'étais à l'affût et moi, de mon côté, j'ai rien entendu. Hein. Peut-être que toi, sur directive, t'as réussi à avoir quelque chose. Oui, mais tu sais, lui, il est en vertical, donc c'est plus facile en vertical. Hein. Ok, alors, Cédric, Dimitri, je sais pas où vous êtes, mais si vous nous entendez, allez-y, hein, on vous laisse la place. Et on va laisser un petit blanc là pour voir. Sylvain, pareil, allez-y, lancez des appels, on vous laisse un petit blanc là pour voir si on vous entend.
petit vert et un petit rouge, là. Ouais, parce qu'il n'y a rien qui passe. Hein. Parce que là, côté Facebook, justement, là, je vois Sylvain, Cédric, Dimitri, qui lance des appels. Ben oui, Cédric, on appelle aussi. Ben oui, je veux bien, mais hélas, ça passe pas de notre côté. On va se remettre des watts, hachi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres stations, là quelqu'un des nouvelles de Jean-Paul, Fabrice, là, pour ce soir? Ah, moi, j'ai eu des nouvelles de Jean-Paul, c'est quand c'est hier matin, je crois, ou avant-hier matin. Écoute, ma foi, il m'avait l'air d'aller très bien, là. J'ai été chez ma mère, monter le poil, et du coup, on a parlé un petit peu. Voilà. Ça lui faisait plaisir de m'avoir entendu, voilà. Et donc, du coup, je suis pas resté longtemps, parce qu'après, j'étais arrivé au QR chez ma mère. Sinon, il a l'air bien, voilà. Pour ce qui est de Jean-Paul. Mais bizarre qu'il soit pas là ce soir, voilà. Ouais, mais bon, vu l'heure, peut-être que ce soir, il est pas bien, que ça lui fait trop tard, pour le coup. Ah oui, Coco, est-ce que tu es parmi nous? Coco33, est-ce que tu es là? Apparemment pas. De ce qui est de Christian de tout à l'heure, est-ce qu'il a réussi à réparer son problème? Non. Belfegger, je t'ai vu tout à l'heure là sur le forum. Est-ce que tu es parmi nous? Si tu nous entends, t'as une station, là, opérateur Christian qui est de ton côté là. Vas-y, on te laisse une petite place, Belfegger, si tu es là. Non, je module personne. Non, ok, c'est bon. J'entends vaguement, mais très vaguement chuchoter dans le lointain. Et bon, c'est tout, rien de plus, quoi. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a posé une question, là, sur Internet. Est-ce que quelqu'un a des infos, là, concernant le système Rescue CB9? Eric, tu en as peut-être déjà entendu parler, là, comme moi, là, sur Radio CB Connexion. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des infos? Est-ce que c'est toujours actif? Est-ce que tu sais à qui il faut s'adresser? Tout ça, quoi. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Rescue CB9, entraide secours d'urgence, c'est calé, ils sont calés sur le canal 9 et ils fonctionnent via des relais 27 MHz. T'as jamais vu ça sur les Radio CB Connexion? Non, je connaissais le canal d'urgence, le 9, là, oui, mais non, je savais pas qu'il y avait quelqu'un qui avait rentré. Oh ben voilà, j'ai entre les mains une vieille revue de 2013 de Radio CB Connexion, et justement là ce soir on m'a posé la question. Et ben, j'étais un petit peu surpris d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'entends pas spécialement parler. Sur internet j'ai du mal à chercher parce que j'ai pas trouvé grand chose. Non, c'était pour voir si éventuellement je pouvais aider l'OM. C'est un OM du département 17 là qui justement qui pose la question. Ouais. Eh bien, voilà, je suis en train de montrer ça devant la caméra, voilà, Rescue, CB9, entrée de secours urgence. Alors, le truc, le croquis que j'ai là, c'est, eh bien, ça marche via relais. Alors, véhicule mobile, des relais, et là, je sais pas du tout, je sais vraiment pas du tout ce qu'il en est. Faut que je recherche, que j'approfondisse un petit peu les recherches là, au niveau internet. Hein. Ouais. Sur le forum, le mien, il y a quelqu'un en ce moment qui nous montre des petits schémas là en électronique qui devraient, je pense, t'intéresser, Eric. Ok,
suivi sur le module, pas là. Non, c'est bon. À tout hasard, pourrait-on se mettre vite fait en l'OL et Eric aussi, histoire de voir s'il arrive à passer, histoire de voir, enfin de faire voir un chouchou que quand on est en hauteur, la L ça marche aussi bien que le USB. Ok, Eric, tu veux qu'on bascule, enfin, tu peux basculer là quelques secondes en AM, là, histoire que Chameau fasse son petit essai, puis on remonte aussitôt en USB. Oh, ouais, c'est vrai. Alors, ok, hop là. C'est bon pour moi, je me reclame en fréquence. Pour moi, Rémi, je te... Ok, attends, j'ai failli avoir des surprises, parce que là, pour le coup, j'ai plus du tout la même puissance d'entrée. Voilà, ok, ben, pour moi, là, je suis en AM, j'ai refait mes petits réglages en vitesse, avant de griller quelque chose, ok. Bon, évidemment, j'ai un truc qui me permet de pousser un petit peu au niveau propag, là, de mon côté. Donc, ouais, ça marche. Retour sur Eric, pour voir si Chameau t'entend, hein. Attention Eric. Attention Eric, pour Florent. Attention Eric. Et il s'est perdu là. Bon, j'ai l'impression qu'Eric il a dû se perdre. Il a dû se perdre quelque part, je sais pas. Ah, je pense, on va basculer en USB là pour le récupérer. Ok, le temps que je refasse mes petits réglages et puis j'arrive. Ok, reçu, je le récupère. Voilà, de retour. Ouais. Voilà, ok, allez, attends. Ok, attends que je regarde. Ah, la vidéo touche à sa fin. Donc, de la part de l'ensemble du QSO, les 2713-51, auprès de ceux qui vont écouter la vidéo, nous, on continue le QSO. Voilà, à plus. Voilà, alors, attends, j'éteins ça.